Bonjour à tous, ici Marina. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le roman La Petite et le Vieux de Marie-Renée Lavoie. Je me rapproche. Et oui, je sais, il y a une casserole derrière le roman, c'est normal, c'est le système D. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman avant de vous le présenter ? C'est un livre qui est sorti en 2015 en France, mais apparemment en 2010 au Québec, puisque c'est un roman québécois. Et oui, deuxième livre québécois que je vous présente sur la chaîne. Et pourquoi je vous parle de ce roman? Tout simplement parce que l'héroïne de ce roman est une méga fan de Lady Oscar. Lady Oscar, et notamment l'anime de Lady Oscar, a une place très importante dans le récit. Et c'est justement ça qui a piqué ma curiosité quand un membre du forum Cowboy Pat m'en a parlé. C'était tellement original que j'ai été obligée de le commander, de le lire, et au final, je ne peux que vous le recommander, mais je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on suit les aventures d'Hélène, qui est surnommée Jo, dans un récit qui raconte la fin de son enfance, l'entrée dans l'adolescence, écrit un peu comme une espèce d'autobiographie. Jo est une enfant assez fantasque qui vit dans un quartier pauvre assez populaire avec ses parents et ses sœurs. Il n'y a pas vraiment de problème familial puisque c'est une enfant qui est choyée et aimée, il n'y a pas vraiment de problème à proprement parler au sein du foyer. Cependant, sa vie est très très prosaïque et ce qui a tendance à l'ennuyer profondément, il faut vous imaginer, elle a 8 ans, une vie comme ça, se lever pour aller livrer les journaux. C'est bien, mais à 8 ans, on rêve d'autre chose, on rêve d'aventure. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se fait passer pour un garçon, qu'elle ment sur son âge pour pouvoir faire des choses d'un petit peu plus grandes. Oscar de Jargé, donc, qui est présente dans le roman, hein. Pourtant ce n'est pas un personnage à proprement parler dans le récit, puisqu'elle ne fait pas vraiment d'action, mais elle est omniprésente. Oscar est l'héroïne de Jo. Puisque Lady Oscar est son anime préféré, c'est l'anime qui l'aide à oublier l'univers autour d'elle. Ce qui est retranscrit dans le récit d'ailleurs, puisque le monde autour d'elle, quand il s'agite, il parle dans des dialectes et du patois québécois, alors que la narration en elle-même est écrite dans un style assez riche, notamment au niveau du vocabulaire et de la construction. Alors Jo rencontre Roger, hein, le vieux, hein, précisé dans le titre. Roger qui est un retraité et tous les deux lient une amitié qui est assez belle. Et le point fort du roman, c'est qu'il y a un parallèle très intéressant entre Oscar et Jo. Oscar et Jo évoluent en même temps, puisque le roman suit la trame de l'anime. Ce qui fait que quand le roman commence, Oscar doit avoir peut-être 14 ans, on est vraiment au tout début de Lady Oscar, et Oscar va grandir et mûrir en même temps que Jo au fur et à mesure jusqu'à la fin de Lady Oscar. D'ailleurs, par moments, Jo se sent trahi par Oscar par certains de ses choix, ce qui est assez amusant à lire. Et au final, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que Jo, en fait, incarne parfaitement le lecteur. Parce qu'on a tous été Jo à un moment de notre vie. On a tous été des enfants en quête d'aventure, on rêvait de faire des choses incroyables avant qu'on se rende compte que ça va être compliqué. Et même encore à nos âges, hein, moi je le cache pas, à 28 ans ça m'arrive encore, on a tous et toutes un héros de fiction qui, quand on est un petit peu au fond du trou, hein, on pense à ce héros de fiction, ça nous rebooste, ça nous donne du courage. Et c'est normal, c'est humain, on a tous des modèles, hein, qu'ils soient vivants ou fictifs. Et c'est en ça que Jo est terriblement attachante en fait, c'est qu'on peut parfaitement se mettre à sa place. C'est un roman qui se lit très bien, qui se lit très facilement, et je peux que vous le recommander parce que franchement j'ai un très bon souvenir de ma lecture alors que pourtant ça commence à remonter, et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui vous plairait si vous y jetez un coup d'œil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.